Salut Carole. Ben, bonsoir Abraham. Comment ça va? Ça va bien, merci. Et toi? Ça va très bien, par la grâce de Dieu. Alors, t'as passé une belle journée, une belle journée à Guy. Très belle journée ici à Chiang Mai, à Empress Hotel Conference Center. Bonsoir, bonjour, où que vous nous regardiez, que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes les bienvenus à ce round-up de l'actualité du GEN, ici même en Thaïlande. C'est avec beaucoup de joie que nous continuons avec vous. Nous espérons que ces deux derniers rapports que vous avez eus vous ont donné une idée de ce qui se passe ici au sujet des stratégies digitales de la mission qui nous rassemblent en terre thaïlandaise. Tout à fait, effectivement, nous sommes dans l'ère du numérique et nous sommes tout à fait dans cette conférence où, encore une fois, on met l'accent sur l'impact du numérique dans notre mission. Et ce matin, justement, on a commencé avec la méditation, comme d'habitude, et aujourd'hui, l'accent a été mis sur le fait que nous ne devrions pas faire ce qui est normal, mais faire ce qui est nécessaire. Et ne pas avoir peur de sortir de notre zone de confort pour pouvoir aller vers les gens qui ne nous connaissent pas et les rallier, justement, à notre cause qui est si belle. Absolument. Et comme Jésus, il s'est inspiré, justement, de l'histoire de Jésus avec la femme samaritaine. Il était passé par la Samarie, il a vaincu les préjugés, il a travaillé à ce que cette population rencontre le salut et connaisse le salut par cette rencontre qu'il a eue, la conversation qu'il a eue avec la femme samaritaine. C'était une très belle expérience que Dieu nous invite à avoir également avec lui. C'était l'appel du pasteur Paul Douglas, trésorier de la conférence générale. Oui, tout à fait. Il a bien montré que Jésus, en fait, il va toujours vers nous. Il n'a jamais hésité à aller vers les autres et que nous aussi, nous devrions faire de même. Et nous sommes rentrés par la suite dans le plein de cette conférence du GEN avec quelques informations partagées sur le festival du film chrétien. Oui, tout à fait. Alors, on a découvert ce matin avec joie, n'est-ce pas? Bien évidemment. Alors, nous connaissons tous Netflix, mais là, nous avons découvert qu'il y avait une forme de Netflix chrétien. Yeah. Alors, chrétien, précise, adventiste. Yeah. Félix Seventh Play. Voilà, j'ai eu la joie de rencontrer certains de ses producteurs il y a quelques années au GEN du Brésil. Il commençait à peine. Félix Teplé, c'est comme ça qu'on l'appelle en portugais. Félix Seventh Play. Félix Seventh Play, une forme de... Happy Seven. Happy Seven, c'est-à-dire bon sabbat, pour permettre à tous ceux qui sont de l'église et qui veulent passer un agréable sabbat de regarder des films chrétiens qui sont inspirants pour les jeunes, pour toute catégorie d'âge. Tout à fait. Il y a des dessins animés, des films d'animation pour les enfants. Il y a aussi des films pour les jeunes et aussi, bien sûr, pour tout public. Donc, nous étions ravis de découvrir justement l'évolution, le développement de cette plateforme et nous espérons bien sûr que ce sera bientôt en plusieurs langues puisque pour l'instant... Avec le développement de l'intelligence artificielle. Et nous avons aussi eu la joie de rencontrer l'un des promoteurs du plus grand festival du film chrétien, de la musique chrétienne au monde, était là, qui est un adventiste, qui nous a raconté sa belle expérience au niveau de l'organisation de ce film. Et c'était vraiment grandiose, c'était énorme. Nous l'avons vu, comment il a témoigné de comment Dieu l'a conduit pas à pas dans cette aventure de la foi. Et il se retrouve aujourd'hui avec des milliers de films qui sont soumis à ce festival international du film chrétien. Voilà, du film et de la musique, et de la musique chrétienne. En fait, on a aussi vu à quel point tous les films, en fait, c'est une compétition. Donc, tout le monde peut envoyer ses films, ses productions, vous aussi d'ailleurs. Absolument. Vous pouvez si le vous faire. Êtes sélectionné, vous avez une production, vous pensez que bien, écoutez, nous allons aussi placer le produit sur le marché international. C'est bien fait. Ouvert, c'est vraiment une grâce de Dieu de connaître ces informations. Tout à fait, c'est tout public et bien sûr, tout le monde peut envoyer ses productions. Et si vous êtes sélectionné, pourquoi pas, vous pouvez participer. Et la ligne de force qu'il ne faut pas oublier, Carole, c'est que vous pouvez produire votre film, mais il faudra en background, en filigrane,
que ce soit dans le sens d'attirer des âmes vers le salut. Et il y a un élément engageant qui doit être dans ce film, qui puisse amener les gens au pied de la croix, où nous pouvons les conduire au salut grâce à ces films que nous produisons. Et donc, si vous avez des idées par la grâce de Dieu, soumettez-les à Dieu dans la prière. Dieu vous donnera davantage de créativité pour le faire. Tout à fait. C'est vrai qu'on a, tout au long de cette session, on a toujours mis l'accent sur le fait que toutes les productions devaient absolument être dans le cadre de la mission, c'est-à-dire emmener des gens à mieux connaître Jésus, à le connaître tout simplement, et même faire un pas de plus en devenant eux-mêmes adventistes du septième jour, comme certains acteurs qu'on a vus qui, après avoir participé à des productions cinématographiques, ont eux-mêmes décidé de prendre le baptême. On a parlé de cette star brésilienne qui, après avoir commencé le projet du film Tragédie des siècles, a demandé une copie de ce livre et puis s'est intéressée à la parole de Dieu. Nous avons justement aussi été appelés à une petite rencontre, là c'était pas dans le cadre du GEN, avec le trésorier de la conférence générale qui a appelé tous les directeurs de communication des divisions et tous les producteurs de films. Nous étions assis à la même table et nous avons évoqué cette nécessité justement de pousser la production cinématographique à un autre niveau. Nous étions bien évidemment conscients de ce que ça exigerait beaucoup de sacrifices, mais nous allons commencer une aventure de foi par la grâce de Dieu et nous allons tendre la main vers ceux qui sont de bonne volonté, qui veulent appuyer financièrement cette production, car il faut l'avouer, les moyens de l'Église ne permettront pas de réaliser de très bons films. Bien entendu, il faut toujours compter sur la générosité des uns et des autres, ça c'est évident. Mais aussi, pour continuer la journée, nous avons eu un panel où le directeur de la communication de la conférence générale, donc le pasteur Costa, a fait avec ses collaborateurs un jeu de rôle. Ah oui, ça c'était un comité d'église. Une théâtralisation de comité d'église. Suite justement à Gain, pour porter un projet qu'il a appelé Gain Plus. Et dans ce projet, il s'agira bien sûr, dans le cadre de l'église locale, d'organiser comme des campagnes d'évangélisation, un petit peu, mais avec des films. Donc, imaginez, ce sera appelé Festival de films chrétiens, mais une campagne d'évangélisation. Locale, voilà. Donc, en fait, l'idée serait de montrer des productions et ensuite d'avoir 5 ou 7 minutes après pour pouvoir discuter, échanger, de lancer un appel ensuite par rapport à ce qui aura été vu et éventuellement de commencer des études bibliques avec ceux qui seraient intéressés. Donc, ça aussi, c'était une idée. Et ça, oui, vous devez vous préparer parce que très bientôt, vous devez organiser ce festival dans votre église locale. Ne vous inquiétez pas, les films seront mis à votre disposition. Il suffit simplement de rentrer en contact avec votre responsable de communication de votre église, de votre mission, fédération, union ou même de la division. Alors, vous rentrerez en possession de ces films-là pour mieux organiser ce festival de films. Nous allons... Ce sera le dernier rapport du GEN probablement que nous allons donner avec le programme de demain. Tout à fait. Et ce soir d'abord. Alors ce soir, nous avons normalement une projection prévue, donc The Hopeful, le nom du film, c'est ça, qui raconte un petit peu tout ce qui a tourné autour d'Ellen White à l'époque où il y avait cette première acte, la grande déception. Et puis donc ensuite, demain, normalement, nous allons ensemble célébrer le sabbat. Et vraiment, nous allons clore, je pense, définitivement cette session de Gain. En tout cas, ça a été encore une journée riche en émotions et riche en informations, surtout. Pour riche moi, en informations. Pour moi, oui, aussi. Et toi, pour toi aussi, oui. Parce qu'en général, on ne repart jamais de Gain sans avoir appris quelque chose, avoir des idées nouvelles et sans avoir des étoiles plein les yeux parce qu'on a toujours l'impression, bien sûr, qu'on est là pour initier quelque chose de nouveau. Et on espère que vous aussi, vous avez appris des choses, eu de nouvelles informations qui peuvent vous aider à votre niveau à développer encore plus la mission, à continuer la mission avec le numérique. Et n'hésitez pas à utiliser vos dons et vos talents pour pouvoir faire avancer l'œuvre de Dieu.
Abraham. Merci beaucoup, on Carole. On se donne rendez-vous de toute façon. Je ne sais pas quand, où. Au prochain game, peut-être. Oui, par la grâce de Dieu. En tout cas, et... ça fait un plaisir de partager ce moment. Et pour moi, avec vous. C'est un réel plaisir d'avoir là notre collègue et ami, Noël Sivanda, qui nous aide cet après-midi. Merci beaucoup, Noël Sivanda. Ça fait plaisir. Il est le responsable de communication de notre division en Afrique australe et océan indien. Carole, merci. C'est fait un plaisir d'avoir été avec toi. Un plaisir, Abraham, vraiment. Dieu te bénisse. Et puis, on se donne rendez-vous, voilà, comme je dis. À la prochaine. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Et n'hésitez pas surtout à être toujours engagé dans la mission pour Christ. Que Dieu vous bénisse. Tell me the old song.